Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire B. Méditons l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 9, les versets 38 à 48. En ces temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser le démon en ton nom. Nous l'avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui était un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou un de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller de la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié de la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux pieds. Si ton nez est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons dit que nous méditons l'étude de la parole de ce dimanche à partir de l'Évangile, particulièrement cette parole de Jésus. Je cite, « Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. » Mais il est intéressant de faire un survol de la première lecture. On vient dégager les similitudes entre celle-ci et l'Évangile. En effet, nous saluons l'attitude d'ouverture du prophète Moïse pour bien diriger le peuple dont il a la charge. Moïse s'entoure de 70 anciens qui jouent le rôle de conseiller pour l'aider dans sa tâche de guide. Ces anciens ont la charge de faire respecter les 10 commandements qui sont valables pour tout le peuple. Les 10 anciens ou conseillers collaborent étroitement à la mission de Moïse. Pourtant, le jour où Moïse convoque l'assemblée des anciens, deux d'entre eux manquent à l'appel et restent au camp. Malgré leur absence, Moïse reste confiant et reconnaît qu'ils ont reçu aussi l'Esprit de Dieu et qu'ils ont le droit de prophétiser aussi. La réaction de Moïse est surprenante et nous interpelle tous. On peut bien croire que Moïse, dans sa conscience, s'est posé la question sur la nécessité d'avoir des conseillers. Ou encore la question suivante. Doit-on toujours être du même avis que le chef? Même sans réponse à cette interrogation, l'attitude d'ouverture de Moïse nous fait comprendre que la foi chrétienne nous invite à l'ouverture et au respect des autres.
Déjà dans l'Évangile, chers frères et sœurs, nous constatons que Jésus va encore plus loin que cette attitude d'ouverture à l'occasion d'un fait décrit dans l'Évangile. Le Maître s'est entouré de 12 disciples. Ils étaient ses collaborateurs immédiats de la mission qu'il avait reçue de son Père. L'Évangile souligne que des personnes qui n'ont pas reçu mandat du Fils de l'homme se sont mises à chasser les esprits mauvais au nom de Jésus, sans demander la permission à personne. Mettons-nous à la place des disciples du Seigneur et nous comprenons leur hostilité et leur méfiance. Ils viennent donc de se plaindre à leur maître sur cette usurpation de pouvoir et de mission. La réaction des disciples est mêlée sans doute de jalousie et de manque d'esprit d'ouverture. Mais Jésus se rend compte que l'homme a cru bien faire et recommande plus de patience et de souplesse à ses disciples en faisant cette réflexion. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus sait que l'Esprit Saint peut agir dans les circonstances jugées nécessaires par Dieu. Nous qui faisons partie aujourd'hui des disciples du Seigneur, nous devons toujours essayer de comprendre au nom de quoi ou de qui les gens agissent. Ne réagissons pas uniquement en tant que détenteurs d'un pouvoir, mais en sachant que notre mission première est de discerner les signes du travail de l'Esprit. Si des personnes agissent dans une véritable attitude d'écoute de l'Esprit, pourquoi les rejeter? Il y a des critères pour savoir si quelqu'un agit vraiment au nom du Fils de l'homme ou non. Par exemple, c'est de juger le fruit, de juger l'arbre à ses fruits. Déjà, dans la société, chacun défend son territoire et ses propres compétences. C'est normal. En ce sens que les médecins ont un peu raison de se méfier des médecines parallèles, parfois considérées contestables. Mais ils savent aussi qu'il y a d'autres formes de médecine qui s'inventent pour le bien des malades. Ils laissent alors le temps faire son œuvre et parfois ce remède devient adopté par tous. Revenons sur le discernement en Église, sur le thème que Jésus nous donne. Ce débat existe aussi au cœur même de l'Église. Celle-ci a la sagesse de permettre en son sein le développement des diverses sensibilités, des traditions spirituelles, et le dialogue œcuménique va dans le sens des paroles du Maître. Ne mettons pas trop vite à l'écart ceux qui ne suivent pas Jésus officiellement comme nous ou comme toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore bien. Nous demandons parfois trop vite qui est mandaté pour agir ou pour parler au nom du Seigneur. La question est bonne en soi. Nous avons toujours à nous rappeler que tout le monde a reçu l'Esprit Saint dès son baptême et le Seigneur agit en lui. Tous, en tout cas, nous avons à apprendre à parler au nom du Fils de l'homme, c'est-à-dire à être des témoins de son amour au milieu de nos frères et sœurs, même si, en même temps, nous reconnaissons que nous sommes des disciples parfois fragiles, sachant également voir arracher notre œil de tout regard de jalousie sur les autres, parfois qui font mieux que nous.
Ce texte de l'Évangile nous ramènera à réfléchir et à découvrir aussi ce que nous avons qui nous empêche d'aller vers Dieu et pire encore, nous éloigne de lui. Jésus lui-même, en effet, nous oriente pour nous dire quel est le péché dans lequel nous font tomber ces parties de nous-mêmes, et pas des pieds, des mains et des yeux. Jésus parle de ce qui entraîne la chute d'un seul de ses petits qui croient en lui. Il fait allusion à Marc au chapitre 9, le verset 42. Entraîner la chute de quelqu'un veut dire l'éloigner de Dieu, sur le plan de la foi bien sûr, c'est-à-dire il faut que nous prenions compte chez ceux qui nous entourent, qui sont proches de nous, qui sont proches du Seigneur, et tenir compte de leur foi, de ne pas les juger. Jésus nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'être l'un des 12 ou un des disciples plus intimes pour être avec lui. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, dit-il à ses disciples. Beaucoup de gens sont proches du royaume des cieux que ce que nous croyons, parce qu'ils font des choses extraordinaires au nom de l'amour de Dieu, parce qu'ils craignent Dieu, comme témoignait sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Je cite, « Le Seigneur ne pourra pas me récompenser selon mes actes, mais j'ai confiance qu'il me récompensera selon les siennes. » L'amour du Christ. Fin de citation. Chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche, demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de l'ouverture pour que nous soyons ceux-là qui sont capables d'aller vers les autres et de les ramener vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.